participé pour la première fois à Motivation Lab à Baby Lab et j'ai adoré. On a eu comme animateur M. David Rochelet qui nous a parlé d'un projet spatial. Il a dit que tout le monde pouvait rêver grand, qu'il fallait croire en ses rêves. Nous sommes à la semaine, n'est-ce pas, africaine des sciences. Aujourd'hui, nous avons vraiment été édifiés. Ce qu'on peut retenir, c'est que il n'y a pas lieu d'être pessimiste, quelle que soit la dimension du projet qu'on a. Je crois que il faut être optimiste et c'est dans l'union que on peut arriver. Pendant cette session, nous avons parlé des différentes compétences nécessaires pour réaliser des projets complexes dans le spatial, mais aussi dans les Fab Labs en général. Nous avons travaillé sur la créativité, nous avons travaillé sur la capacité à travailler en groupe, à bien se synchroniser, la capacité à échanger, à communiquer dans un groupe, à résoudre des conflits. Nous avons parlé des projets du spatial, de la motivation, de la manière de se motiver pour réaliser un projet, de faire face à nos a priori, c'est-à-dire les difficultés que l'on voit et qui deviennent petit à petit des excuses pour ne pas faire les choses. Et un groupe très motivé, très participatif, qui reçoit très très bien le projet et c'est très 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 motivant pour la suite de Open Space Maker en Afrique et pour l'avenir du Baby Lab et des Fab Labs en Afrique en général. Bonsoir, je suis Ghislain Dessier, ambassadeur du Nest Einstein Forum pour la Côte d'Ivoire. Nous sommes à la première journée de la Semaine africaine des sciences en Côte d'Ivoire à Baby Lab. Aujourd'hui, nous avons parlé du spatial amateur avec la fédération Open Space Maker, qui est une initiative de l'Agence spatiale française, le CNES. Et nous avons montré et démontré comment est-ce que des citoyens pouvaient participer à l'évolution et au développement du spatial en Afrique à travers des outils open source.